soir toujours à Paris. Je suis avec les One Last Shots. Ça rigole plus des masses. Les mecs qui vont jouer ce soir, ça va envoyer aussi du lourd. Je peux vous dire que ça envoie du lourd. Je les ai vus à la balance. Ça rigole pas. Alors ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage d'être avec George. C'est Norge. J'ai l'honneur et le plaisir et l'avantage d'être avec mes Mr. Norge. J'ai jamais vu un prénom comme ça. Alors là, ça me l'a coupé. C'est le premier, c'est le seul en France. Donc tu t'appelles vraiment Norge? Ah non, c'est mon pseudo, mais on est des artistes, alors on... Faut qu'on se la raconte un peu. D'accord, aussi. D'accord, mais non, tu te la racontes pas, tu t'appelles Norge et puis un point, c'est tout. One last shots avec moi, j'ai l'excellent guitariste, Mister. Mr. Shelby. Mr. Shelby. English can we say that behind me, this is Mr. Shelby. Mm-hmm. Vous êtes d'où les One last shots? Paname. Paris. Paname, t'as vu comment il me dit, cet accent. Et Norge, on croit à Jean Gabin. C'est Jean Gabin. Cadre-toi un peu la caméra parce que ça coûte cher la diffusion. Donc, One last shots. En principe, vous n'êtes pas que deux. Non, on est cinq. Vous êtes cinq. Donc ça veut dire que les trois autres, ils ont la frousse, ils ont les miquettes. Ils sont en train de faire caca derrière. Alors, on dit pas ça, mais ça, c'est le track d'avant-concert. C'est le track avant-concert. C'est le track du concert. La pression qui monte. Et la pression qui monte, ça, tu m'étonnes. Donc Shelby et Norge, eux, ça rigole pas. Non. C'est les vieux routiers du rock'n'roll. On cherche la bagarre. Ouais, c'est du bagarre rock, c'est du bagarre rock. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble, les One Last Shots? Oula, ça veut rien dire. Ah non, c'est pas un chiffre. 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais. 3 ans au compteur, un album. Un EP. Un EP qui s'appelle. Ça s'appelle First Gear. First Gear. Avec 5 titres, avec dedans, il y a du punk, il y a du trash, il y a du rock'n'roll, il y a du bon gros métal. Du bon stoner, on mélange un petit peu tout ce qu'on aime. Alors, One Last Shot, c'est ça. C'est un espèce de gros cocktail explosif, ils mélangent tout ce qu'ils aiment. Voilà, et je peux vous dire qu'on va parler un peu du chanteur qui est pas là parce qu'il a la frousse. Le mec, il assure quand même pas mal. Aïe. Quand il a pas la frousse, il assure. Quand il a pas la frousse, je sais que tu nous regarderas pas. De toute façon, personne regarde le show. Mais en tout cas, le mec, waouh. Donc ce soir, on va se passer un petit bout du concert. Ouais. Il y a des surprises ce soir. Il y a des surprises. Il y a un nouveau morceau qui est tiré de notre prochain album. Ouais. Et voilà, on l'a jamais joué en live devant des gens, donc personne ne le connaît à part nous. Et puis il y a une reprise, c'est une surprise, mais une reprise de Motorhead, mais comme ce sera diffusé après... C'est un hommage à Lemmy. Je vais pas la refaire sur Lemmy, tu vois, mais bon. Ouais. Comme c'est sacré, ça c'est sacré. Lemmy, tu touches pas, c'est sacré. Non, tu touches pas, bravo les gars, bravo. Merci. Bah, question pour Norge, parce que je vois que t'es comme moi, t'as un truc dans le nez. Ouais. Tu l'as fait chez qui? Waouh, le chat percé. Et voilà, il a été au chat percé. Ouais. Il a été au chat percé, donc. C'est fini depuis super longtemps, le chat percé. Donc. Ouais, bah, je sais bien. Bon, et des projets un peu pour One Last Shot, il se passe quoi là bientôt? Et ben là, il y a. Ben, justement, l'album, ouais. On est en train de composer, donc là, on fait un titre ce soir. On a composé déjà 5-6 titres. 5-6 titres? Un peu plus, 8-10. Donc ça va arriver, c'est pour bientôt. On essaie d'enregistrer avant la fin de l'année. Et puis, ça va le faire tranquillement. Oh bah ça c'est cool, on se reverra pour l'album alors. Ouais. Ah bah oui. Si on a un petit peu de chance, on aura une date en avril, mais on n'a pas encore le droit d'en parler. Ah, ils ont pas le droit d'en parler. C'est ça, c'est une date un petit peu mystère. Hein. Ouais. La date mystère en avril. Mystère. Alors vous allez suivre les One Last Shot, j'imagine bien que vous êtes sur Facebook, il y a le bordel à Zuckerberg là. C'est ça. Et vous avez un site? Donc il nous trace. OLSBand.com. www.OLSBand.com. Attends, on va aller faire en américain. You can check on the website. www.olsband.com. Ou ça m'appelle la lettre.com. Voilà. Ça m'appelle la lettre.com. Bon, les mecs, gros matos ce soir, vous avez sorti de la guitare, vous jouez sur quoi là un petit peu en ce moment là? Oula, on joue sur. Alors mon gratteux, il est sur mes aboukis, pour faire comme tout le monde, tu vois. Moi je suis sur Engel, c'est. Voilà. Ah, Engel, ça rigole pas, ça s'envoie de la cacahuète. Ouais, essayez. Et toi, Norge. Moi, il y a le gros frigo, gros 1, 2, 3, gros frigo qui est là. Et quand on voit du steak, j'ai pas checké ce que c'était. Moi, j'ai goûté le son et j'ai vu que ça envoyait du gros lourd. Bon, bah ce soir, alors la confirmation, les mecs, ce soir, les One Last Shots, ça va envoyer du lourd. On se retrouve à la fin, nous, pour le concert. Je vais aller quand même un petit peu zioter ça parce que des cocktails explosifs comme ça, il y en a pas tous les soirs, moi je vous le dis. Non. Il faut bien. C'est clair. Les blagues mises à part, mais oui. En tout cas, là, tu risques rien. Tu peux venir, tu vas exploser, mais en douceur. Ça marche. Et on se gueule un petit rock'n'roll à la caméra, vous êtes prêts? Yeah. Allez, 1, 2, 3, rock'n'roll! Non, parce que je te disais, le chanteur, il a la frousse. Moi, je l'ai vu, le mec, il est en train... Ah, tu chies dessus, hein. Oh, ouais, c'est... Ah, ouais, c'est coupe, parce que là, on discute, c'est leur caméra, ça. Oh, il a quand même la frousse.